Et salut les gueux, c'est Olorin. Et oui, me voici de retour après une longue absence, hein, qui a duré bien quelques mois. Donc voilà, pour différentes choses, donc l'armée, la fac, quoi d'autre, les vacances bien chargées. Donc voilà, j'ai un peu perdu de vue ma chaîne. Et là, voilà, c'est dit, bon, je vais m'y remettre. Il y en a encore quelques-uns qui me suivent, mais bon, je vais pas les laisser. Voilà, je me suis dit, je vais me remettre à faire des vidéos. J'étais bien motivé, puis voilà, on va s'y remettre. Et donc comme vous voyez là, je vais continuer la campagne avec les Riador que j'avais laissé en plan en quelque sorte. Et voilà, c'est la première idée qui m'est venue. Après voilà, je vous le dis maintenant et je vais sûrement vous le reproposer à la fin de la vidéo. Quand vous allez voir la vidéo, vous pourrez commenter et me dire voilà, si vous voulez que je continue cette campagne, si vous voulez que je fasse une autre campagne sur First Age, ou alors si vous voulez tout simplement que je joue un autre jeu. Donc dans ce cas, voilà, vous me direz quel jeu, ce serait bien que ça reste dans le thème du Seigneur des Anneaux, et moi je vous dirai si je peux me le procurer ou pas, mais bon, voilà, que ce soit un peu à votre tour de choisir, et que vous fasse plaisir dans ce cas. Voilà, déjà j'espère que ça va vous faire plaisir que je reprenne ma chaîne, il y a encore du boulot à faire. Donc voilà, on va reprendre cette vidéo, donc là ça va être le 11e épisode, donc voilà, campagne de l'Eriador, c'est parti. Donc il me semble qu'on voilà, s'arrêtait, on voulait recréer le royaume d'Arnor, en conquérant trois villes, je ne sais plus exactement le nom, je sais qu'Etarbad et je sais plus quoi d'autre. Et voilà, en construisant 2-3 bâtiments dans certaines villes. Voilà, c'était l'objectif, reconstruire l'ancien royaume d'Arnor. Donc on va continuer sur cet objectif. Voilà, donc j'ai une armée attaquer une ville ennemie, une ville des orques des monts brumeux. Donc voilà, pour commencer, on va faire une petite bataille. Donc ici, une petite grosse quand même, parce qu'ils sont nombreux en fait là-dedans. Donc voilà, Cold Fields, il nous faut, on a Oarwell et il nous manque aussi Tarbad, donc qui est en deux morceaux, puisque traversé par le fleuve. Donc comme Esgiliath, c'est deux morceaux. Là, j'ai des troupes en renfort au cas où, ça recrute pas là. Ici ça recrute. Il me semble, ouais c'est bien ça. Donc voilà, on va attaquer hein. Parti, allez plus vite comme ça. Assaut direct, comme ça. Voilà, on commence par une bonne petite bataille. Ce qui fait bien plaisir. Alors 1288 contre 1249. Ils ont en général 3 étoiles, moi que dalle. Donc c'est parti. Attack. Petite bataille. Les portes noires. Voilà, donc là on va essayer de jouer un peu plus stratégique. Ça fait longtemps que j'ai pas joué à First Age. Donc oui, ça me manquait une part, je vais y remettre un peu. Et j'étais content parce que j'ai vu qu'il me restait à son père de la campagne hein. Donc ça tombe très bien. Et voilà, on va essayer de bien s'en sortir là. Si on s'en sort pas super bien, c'est pas très grave hein. Mais bon, au moins voilà, avoir pas trop de victimes et essayer d'en faire le maximum chez l'ennemi. On va essayer de passer des trucs comme ça. Et les archers, bien sûr, qui vont dire directement là, parce que les ennemis aussi vont arriver en face. On va faire un petit truc comme ça. On va essayer de. Ouais, puis on va les faire courir, hein, c'est le but de la bataille. Voilà, j'ai beaucoup de troupes là. Les gardes des chemins verts ici avec leur bouche, leurs membres liés, quand même pas mal. Là, je sais plus là leur nombre à côté, mais c'est des épéistes assez bien armés, couverts de bien castagnés, à côté de l'hélice. Là-bas, j'ai une autre troupe d'élite en quelque sorte. Une armure lourde, c'est les milices marchandes à pied. Vous allez me faire un peu du feu quand même. Tout ça.
ça. Putain, mais tire sur mes gars, c'est bon. Tirez-moi là-bas. Vous tapez là. Vous tapez là. C'est quoi ça? C'est des. C'est des chargés. Donc il y a quelques petits lags là. Là j'ai des bons que je connais pas. Donc il faut bien. J'ai des foyers. Stop là, stop, stop. On est comme ça. On est comme ça aussi. On est comme ça. De préférence. Toi tu tires là. Comme ça le plus possible, quitte à accélérer le temps un peu, on va faire quelques secondes. Des dégâts, ça leur en fait à eux et pas moi. C'est toujours avantageux pour moi. Ouais, j'ai pas mal de gars en plus avec le temps, je vais le défroyer. Tirez au bon endroit s'il vous plaît. Voilà. Tirez le milieu. Il y a du monde. Ça va bien aller comme ça, on va faire des dégâts. Tirez, tirez, tirez. Il y a plein de charges. Il faut qu'il ne faut pas se tirer sur les côtés ici. Là-bas, il y a des dégâts bizarres. Ici là. Parce que là-bas je vois des petits cavaliers qui vont se ramener là, des petits wargs ennemis. Du coup s'ils se ramènent, ils vont te rafale dans la gueule. Hein. C'est tout ce qu'ils méritent. Only half the enemy force remains. On a tiré là-bas. C'est très bien comme ça. Bien. On va tirer là-bas. Maintenant. Je vous ai dit de tirer là. Aïe. On se dit de tirer tout. Ça c'était pas prévu. Je vous ai pas vu rien. Eh, j'ai vu comme ça. Putain, ouais, c'était pas prévu ça là. Les deux côtés comme ça. Faut tuer deux côtés là-bas. Eh oui, on pêche. Eux ils sont tout droit là, en ligne, ils sont tout droit. Ils sont équipés par en face.
Non, les cavaliers sont vraiment... Non, stop, 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 stop. On va arrêter de tirer. On va tirer ici. Les cavaliers, ils ont du mal, hein, à se déplacer et tout. Beaucoup de bleu. Ah, ah, t'es tombé, toi, je t'ai vu. J'espère que je vais pas perdre mes dragons. Connexion de merde. Alors pour le coup de la vidéo, ça va prendre un certain temps. Voilà, là, on est mardi, hein, je suis là pour le soir. Je sais pas quand est-ce que vous aurez la vidéo. Hein. Peut-être demain soir, avec beaucoup de chance. C'est 2-3 jours. Écoutez maintenant, à savoir quand est-ce que je fais, combien de temps vous allez attendre. Bref, alors. Ça fait un petit coup là quand même. Ça fait un peu dans le fou là. Ah d'accord, oui, ils ont compris. Même voilà leur général, regardez-moi ça. En plus, un général assez fort, 3 étoiles. Donc on va s'en débarrasser, ça fera plaisir. Donc, les archers. Parce que
gobelin de merde. Is very much in our favor. Victory will be ours. Oh mon gars là. On va descendre de plus de vitesse. Alors, Kevin, il est fait foutre ici. Our men are in command of the city. C'est violent quand même ce qu'il fait. Là, je crois que c'est le dernier survivant. C'est le dernier survivant. C'est ça que je disais. Il est solide le salaud. Il est solide, regardez. Ah, voilà. Et bah, c'était le dernier. Et on est content, on a gagné. This is a great victory. Alors, Rojo, j'ai perdu que 400 hommes. Ouais. Et ils sont tous morts. Là, c'est une belle, belle victoire. Hein. Ah, une très belle victoire. Je suis content. On a niqué une armée de 2000 bus, on a pris une ville. On a tué un général assez important, on va dire. Voilà, on a perdu pas énormément d'hommes. Bon, alors, par contre, là, cette armée, je vais devoir la laisser là au nord, je pense, parce que c'est vraiment à la frontière de Langba et des nombreux murs, où il y a des putains de d'armées ennemies, quoi. Donc bon, je préfère garder une armée prête, parce qu'ils vont sûrement tout de suite me renvoyer une armée sur le cul. Donc voilà, on va essayer de créer une armée au sud, là, pour prendre de Tarban. Alors, c'est quand même que des orques là-dedans. Mais t'as un sac, hein, voilà. Il y a un peu d'argent, une fois un peu d'argent. Bon. Et ils en gardent même pas, mais tu peux garder la fils. Ça va pas être mes potes. Mon général qui a pris des skills, quoi. Des compétences. Là, on a quoi? C'est une ville de merde, hein, y a pas grand chose. Ça, on peut en faire un pour qu'on va envoyer comment ça s'appelle, Coldfield.
Si on gagne le tour d'après, ouais, c'est bien, on va passer le tour là. Essayer de se faire un peu de pognon. Et voilà, commencer à rassembler une armée au sud, vers Staddle et puis au Harwell. Brie aussi, à Munsul, tout ça. Une armée pour envahir Tarbad. Voilà, donc là. Ils veulent que j'envahisse. Il y a une petite ville ici en effet. Ouais, mais c'est quoi, c'est un truc elfe ça? Il me semble, hein. Oh, c'est risqué quand même. Un truc elfe. Voilà, on a gagné un peu d'argent, pas énorme. Construire un bâtiment et recruter du monde. Donc là, Fordost. J'ai quoi comme nouvelle troupe? J'ai rien, enfin bon là-bas, j'ai garde pour le nord. Brie. On peut envoyer ça à Staddle. Quelques archers aussi. Là j'ai Mugandulf. On va envoyer Tarbad. Quand même. Je voudrais bien. Je voudrais bien pouvoir réparer mes unités là, les soigner. Mais voilà, dans les petits villages là comme ça que je viens de conquérir, il n'y a pas les bâtiments qu'il faut. Parce que là, ce qu'il faut savoir, c'est que les Raiders, c'est une région très peu peuplée. Donc là, ils ont quand même fait un effort au niveau des villes, donc Brie, Staddle, etc. Voilà, normalement, c'est juste un groupement de villages autour d'une colline. Hein. Mais il a fait un effort, normalement, Anuminas, Fornos, c'est des ruines inhabitées. Bon, la compte est ok. Donc voilà quoi, pour pas abuser non plus, ils ont juste fait des petits villages de merde. C'est sûr, là c'est pas le monde d'or, on a pas des putains de villes et de forteresses, hein, ou des putains de casernes. C'est totalement l'inverse. C'est pour ça que c'est une faction assez dure à jouer quand même. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Ça se rassemble, ça se rassemble. On a ça, un, deux. Tiens, il y a une petite baliste. On va envoyer un. Comme ça. Il va arriver. Alors là, ça dit quoi? Et les archers, c'est vrai que ces archers-là. J'ai pas tellement de bonnes troupes en fait de bons gars là. Ils sont moitié morts là. Entraîner, tiens, on va faire ça et on va recruter. On peut pas en passer d'argent. On est pauvres. S'il nous faudrait, ouais, c'est ces archers là. Couleur super costaud là. Bien badass. Avec eux, on fait un carton. C'est sûr, c'est pas les petits archers forestiers qu'on avait. J'ai tiré un peu n'importe où. Qu'est-ce qu'elle me veut elle? Ok. Fiancé ou je sais pas quoi. Voilà. Donc, eux, ils ont été entraînés. Et on voit là. Il faudrait que je les envoie à Tarbad. Des bonnes unités aux frontières, au point de passage quoi. Je peux plus faire là, du coup. Tant pis. On l'enverra quand même avec. Tiens, lui on va faire ça. On va dépenser. Ça vaut le coup. On va dépenser pour ça. Yes, my lord. Parce que là, je sais pas qui c'est. Et... Ah, c'est une région. Faction rebelle, donc faut vite que je réduise, sinon je vais être en froid avec un papier. Yes, my lord. Prendre ça, ça. Oh là là, j'ai du mal. Ça, et ça. On va avoir un peu de monde là. On va faire envoyer Gandalf. Yes, my lord. C'est une bonne troupe là. We shall continue tomorrow. Your orders, my lord. Yes, my lord. On a quoi comme personnage ici? Ça c'est la merde. Donc c'est parti. Je voudrais bien qu'on capture au moins une ville de Tarbad dans cette vidéo. Donc enfin une rive de Tarbad. Les deux si possible, s'il y a personne dedans. Ça serait vraiment génial. Et je sais pas s'il me reste encore quelque chose à faire après ça, ou alors directement ça marche et j'ai fait le royaume d'Arnor. Alors, les tribus sont arrivées et les hobbits m'ont envoyé
soit de l'argent, soit de la bouffe, soit des trucs, je sais pas trop. J'ai envie du moule là chez eux. Ouais, il semblerait. Où est-ce qu'ils auraient pu m'envoyer du monde du Hobbit? Tiens, toi. On va vous envoyer là directement. Bonne armée d'élite là. Pas de Hobbit ici. Pas de Hobbit ici. Pas de Hobbit là. Your orders, my lord. Yes, my lord. Your orders, my lord. Yes, my lord. Oh, juste. Yes. Point là. Enfin, si, mais c'est celui que j'avais déjà. Où c'est que je les ai reçus? Comme à la poste, quoi. Je sais pas. Je me rappelle plus comment ça marche avec les hobbits là. C'est tout. On va peut-être arriver le tour d'après. Ok. On passe le tour. On va essayer d'assiéger Tarbad. Voilà, comme on peut voir, on commence à avoir une belle petite tache verte hein, sur la mini-map là. En bas à gauche. Ah mais. Ah j'oublie. C'est vrai qu'on a les montagnes bleues. Ouais, qui produisent, on a du monde en plus là. Ah. Justement qui build Doom. Peut être évolué en ville. Je sais pas quoi. Non, bref. Ouais, c'est pas grave. Pour l'instant, on va pas trop dépenser ici parce que bon, c'est juste des mythes qui nous rapportent un peu, mais. Ben voilà, sans plus. Enfin, surtout qu'on peut pas trop investir là pour l'instant. Et nous, on va s'occuper de Tarbad. On voit pas encore, on sait pas ce qu'il y a là, quoi. Par contre, j'ai une armée très bien encadrée, quoi. Regardez-moi toutes ces étoiles sur le côté, c'est quand même Gandalf, hein, c'est pas n'importe quoi. Il est costaud, notre petit Gandalf. Hein. Alors, où est-ce qu'on peut investir? Il faut investir dans un truc qui rapporte du fric là, sinon je sais pas où je vais finir. Ah non, je peux pas la faire chier. On va faire un petit truc comme ça, la culture, c'est bien, tout ça. On passe le tour. Voilà, puis là, on va pas tarder à se quitter, je pense, d'ici encore 5 minutes. Par contre, après, j'aurai pas le temps de faire une deuxième. Et du coup, il n'y en a qu'une seule qui arrivera. J'en ferai très vite, demain soir ou après-demain. Ne vous inquiétez pas pour ça. Je vais essayer d'en faire un paquet maintenant. Alors, toujours ici. Nous, on est là. Yes, my lord. With honor. Oh. Vous savez quoi, on va même pas. On va la passer. Hein. Voilà. Il n'y avait pas grand chose à faire. We have triumphed. A most noble conquest. Par contre, ouais, c'est les Angars qu'à la d'à côté. Si je les attaque, ben, ça va déclencher une guerre. Par contre, eux là, je pense pas qu'ils sont en guerre avec les Angars parce que ce sont des alliés naturels. Mais on peut supposer qu'ils s'entendent pas bien et qu'ils vont attaquer Tarbad ici pour contrôler les deux. Ah mais du coup plus une seule maintenant. Du coup ils vont bien se taper dessus là, ils vont se faire mal les deux. Lui il va conquérir Tarbad, moi j'aurais pu que les envahir. Bon ça serait dans le meilleur des cas, hein. Ça serait vraiment génial. Par là, toi. Mais ton délit qui se ramène. Ça va leur faire plaisir. Et voilà. Pas grand chose. Donc là, il me semble que j'ai quelque chose à construire. Pas encore, apparemment. Je voudrais que j'aie la ville. C'est le palais des rois ou quelque chose de ce genre. Qui me permettra ensuite de faire le royaume du monde. Le royaume d'Arnor. Alors. On passe au tour. Du coup, là, c'est vrai qu'on vient de conquérir une petite ville.
autant. Alors là, bon, ça met toujours un peu de temps à passer. Voilà, profiter pour zoomer sur la map, c'est plus joli à voir tout ce beau vert. Bon là, il y a quand même trois régions de la comté, ça ne compte pas vraiment. Ça c'est bon, ok. Fournost, ça va être bien ça, Fournost, il va falloir faire évoluer ça. Ouais mais bon, ça a coûté cher hein. Alistair, Blacksmith, avec quoi concrètement qui gagne de l'argent là? Moi j'ai du fric, moi j'ai du pognon. C'est la déche là, on n'a pas de fric. Ça sert à pas du pognon même pas. Ça coûte cher. Ça, c'est un peu de pognon, je crois. Même s'il faut quand même que je construise ça. C'est très important. Et, ouais, ça non plus. La grosse déchet. Ça, ça rapporte de l'argent. Voilà. Ah, mais merde. Ah, je vais tout en voir. Si c'est la comté, je peux rien faire. Je peux pas développer des indépendances. C'est au bit, quoi. Ça se passe en face. Peux-tu venir en force? On a besoin de toi, mon gros. Et là, on va les écraser. Et on passe. Ouais, je pense que ce sera dans la prochaine vidéo qu'on verra ce qu'il nous reste à faire pour le royaume d'Armor. J'ai pas trop envie de me risquer avec les hangars là pour l'instant. Et il me semble bien qu'il faut, une construction. Aussi, donc si j'attaque les hangars maintenant, je vais avoir sur le cul je sais pas combien de factions. Ça va être très chaud à se maintenir et j'aurai toujours pas mon bâtiment quoi. Moi ça va, bah, c'est la même menace. Je vais pas les déroire quelque chose comme ça. Il arrive là. Donc là il y a une putain d'armée. Il devrait pas nous faire chier. On va repasser un tour, essayer de dépenser un peu. Quelque chose qui rapporte de l'argent et après on va se laisser. Alors bah Grima qui vient faire des affaires avec moi, bah c'est tout. Aucune proposition apparemment. Alors un raffort, non mais oh si si, c'est pas mal. Il est bien loyal. Dernier petit tour. Donc voilà, on va se laisser ici. Donc c'est quand même pas mal ce qu'on a fait aujourd'hui, les amis. On a pris deux villes. Voilà. Puis on a fait une belle petite bataille bien sympa. Voilà. Donc oui, comme je vous ai prévenu au début, bah, si vous voulez que je continue, donc vous me direz dans les commentaires de la vidéo si vous voulez que je continue cette campagne. Si vous voulez que je fasse une autre campagne sur First Age, donc avec une autre faction que vous me proposerez bien sûr, voilà, si vous commentez, et ou alors si vous voulez que je fasse que voilà, je commence un autre jeu qui tourne autour du Seigneur des Anneaux, sur le Seigneur des Anneaux, ou un mode, ce que vous voulez quoi, même quelque chose que je connais pas, voilà. Donc voilà, c'est à vous de me proposer ça. Voilà, tant que j'aurai pas grand chose, bah moi je vais continuer voilà, cette série, et voilà, je vais attendre vos propositions. Voilà, donc c'est tout pour aujourd'hui. Moi je vous dis à la prochaine et d'ici là portez-vous bien. Allez, bye bye.